Disconnected. Alo tata, ini apa intervensi fine? Awana fala, me venga esa u parlor me la fala. Mire en árabe. Ka. Ah. Sepa, imo intervenir maler bien, eh. Ha, ahora la baiki. Mamma ti di avevera tu e stavamo tu in fine bene una gaira badi connected un lei va per sama c'è buon tata un lei voilà bonjour Marie bonjour à tout le monde bonjour tata bon. Bonjour tata moi je voudrais en fait intervenir sur un sujet concernant les institutions internationales. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, je vois pas mal de publications sur Facebook comme quoi la France a dit il faut libérer immédiatement le dictateur sans condition. Bon, c'est leur droit et c'est leur devoir. Mais moi, je me dis que ça, c'est n'importe quoi. Quand les enfants de l'Axe de partout en Guinée se faisaient tirer dessus, où elles étaient, les institutions. Donc, moi, je dis à tout un chacun de ne pas considérer ce que ces gens-là disent. C'est leur devoir de le dire, les gens des Nations Unies, partout, tous ceux qui font partie de la Convention de Genève. C'est leur droit et leur devoir de dire quand ça va, de parler, de se mêler des histoires d'un pays quand ça va pas là-bas. Donc, cela ne veut pas dire que ça va avoir des préjudices sur notre liberté. Ça n'a aucun préjudice. Donc, nous, on n'en a rien à foutre. On ne peut pas que les gens s'inquiètent par rapport à ça. Déjà, ils n'ont pas le courir. Ils disent que c'est la France qui est derrière ce truc. Donc, nous, on s'en fout. Le droit est mort et vive la liberté. Attends. Voilà. Et la vie continue. Allô. Voilà, donc que les gens tiennent compte de ce que les institutions nationales disent, c'est leur devoir et leur droit. Sinon, quand les enfants se faisaient tirer dessus, la France a fait des menaces par rapport à ça. Et les gouvernements, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé d'ingérence par rapport à la France. Oui, et ils ont dit tout le temps, ils sont souverains, ils sont souverains. Ils arrangent, ils disent n'importe quoi. Oui, oui, c'est ça. Donc voilà, c'était mon petit. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, voilà. Tata. Voilà. Merci beaucoup. C'est, elle est souvent sur le direct, Tata Hélène Camara, Kadiet Camara. Voilà. On va essayer Fadiga aussi. Il est où? Il est où? Il est où? Fadiga, il a envoyé un message. Voilà. Ah là 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 là. Les gens sont comme ça, quand ça les arrange, ils fonctionnent en fonction de. Quand l'intérêt va dans. Bonjour, la vous êtes sur la messagerie du. La colère, Fande Fala ba. Fande Fala, Fande Fala. On le surveille, hein. Il est où? Donc, ce que Tata vient de dire, que les gens disent que la communauté internationale est en train de parler, ou la France, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, les RPG, c'est une espèce. C'est une forme d'espèce dont, vraiment, on doit leur laver leur cerveau, là. Ce n'est pas les gens, là, qui disent tout le temps que la Guinée... Fadigar les tirer. Que la Guinée est souveraine. C'est ci, c'est ça. Donc, elle n'est plus souveraine. C'est entre eux là-bas. Ce que vous oubliez, je vous ai dit, Alpha est français. Ça, c'est français contre français. Mais le français, là, est plus jeune. Alpha est pourri. Il est tout pourri. Vous l'avez vu, non?
Maman a photo, monsieur. On a une photo, tout le monde. Attendez, je vais chercher la photo là. Le gars, il est assis comme un voyou. J'ai dit, ah, dis donc, tu me donnes raison devant le public là. C'est où même? C'est dans quel téléphone? Non, réveille, non, va aller dehors. Allô, film. C'est-à-dire qu'il fait la barre, allô, film, quoi. Fadi, il faut appeler. Parce que moi, quand moi je t'appelle, tu es sur le pondeur. Allô, film. On dirait un film. C'est-à-dire, Allah nous a répondu. Toutes les questions ont été répondues. Oh, Dalai a gagné. Personne n'est sorti, sauf Lax. Alpha a été arrêté. Qui est sorti? Hein? On l'a torotara de Kaloum jusqu'à je ne sais pas où. Tout le monde est content. Tellement on a la main. Allô? Allô, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta na mona. Awa, tronde. Awa. Awa. Donc, Alpha Condé n'a rien de bon, hein? Hein? Alpha Condé n'a rien de bon, hein? Ah, koro. Il m'a koro ton dernier là. Ah, ma fille. Hum? Non, il m'a koro ton dernier là, ma fille. Aujourd'hui, moi, vous allez me permettre, je vais commencer, je vais m'exprimer en malinqué. D'accord. Après, je vais m'exprimer en français ou quoi. D'accord. Salam alaikum à tout le monde d'abord. Salam alaikum à toi aussi. Badé Malou, Guinée, nous, etc. Aujourd'hui, il y a un malinkadi, il y a un fouladi, il y a un fouladi. En tout cas, il y a un toukou. Il y a des femmes, des 50 000 longues. En Sewani, Alpha Condé, beaucoup en cours. Parce que Alpha Condé, comme il y a un Alpha Condé, avant d'aller en info, Alpha Condé, les problèmes de la vie. Allez, le problème dit. Donc, moi, je suis à la communauté de Baraboy, communauté de Berbarana. Populaire de Baraboy, qui bride donc. Ou quand on a dit son adhème. Allô? Oui. Allô? Oui, vas-y. On est là. Ok. Voilà, on a problème. Certes, problème ethnique, si on est à l'île, c'est vrai. Mais on est à l'île, c'est que on veut dire que c'est pour le mal. Parce que c'est un peu comme ça, on veut dire que c'est voilà. Tora est un peu comme ça, on veut dire comme il termine, nous, ça tente à l'échange d'armes. Ça tente à l'échange d'armes. Téma. Agnalon. Comme mon Kélinko m'a fait à Djamakoli. Djamma, elle a été mal au boulot. Elle a été mal au boulot. Donc, elle a été mal à fait. Alors qu'on est au coup, mais ça tente à l'échange d'armes. Mouna, c'est à l'occur, tout le baquet. Il s'est donné à méditer. En tout cas. Il a suivi la Tama. Maintenant, comme on dit, Alpha Condé est renversé. Parce qu'à travers un mot de il est ethnique, il est ethnique. Alpha Boni derrière la scène. Moi, bien sûr, on coupe scénario. Tous les scénarios étaient possibles. Mais c'est vrai que Alpha qu'on a éboué. Je cherche cette photo là. Voilà. Donc, n'a pas que n'y a même la scène. Pourtant, moi, c'est la vérité que Alpha Condé est impopulaire. Jama doya ke pasan ti sabro ko jama do ko jama tablo ba
dans ma minorité, mais Alpha Condé fait. Mm-hmm. Voilà, les Guinéens, dans l'ensemble, ne veulent plus Alpha Condé. Mm-hmm. C'est ça l'évidence. Oui. Donc, en tant que même Mandenko dit, ou bien, à quoi dit, Manikanko dit, non, mm-hmm. en pas au moi. En tant que ça ne bosse pas au courant. À la bâtière, moi, Minala, à la bâtière, moi, Minala, à dit de si il est là, dit de si il a mis cela. Souvenez-vous, allons rappeler Raoulanou, Moïse la Tama. Moïse a été élevé par Pharaon. Mais Adel Senara Tabouika Kamakoutine. Donc, on dit à Koko, il a trahi Tabral Kapone Gabra, etc. Mais c'est ça le plan de Dieu. Et le bâtiment de la planète là, à la coupe de la boule. Et puis le timing aussi, c'est Dieu qui sait faire les choses. Donc, on est le Guinée, on est le Guinée, mon Kélimpoko. Alpha Condé, c'est un individu. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà. Ce qu'on attendait de lui, il n'a pas fait ça. Non, donc, franchement. Voilà, on lui dit merci, on lui dit bye bye. Voilà. Et vous donc, savez. on n'est pas contre sa personne, mais sa gestion n'était pas bonne pour les Guinéens. Parce qu'il a instauré quelque chose qui a divisé les Guinéens. Aujourd'hui, même quand quelqu'un parle, voilà, on ne te juge pas par rapport à sa personne. Mais on te juge parce que, ah, il est pas Liga, il est Galdo, il est Tamara, il est Tamar. Il vous savait. C'est mauvais. Voilà. Dieu est un serpent. On prend pas en compte le message de la personne qui parle. L'importance de son message, on prend pas ça en compte, mais on regarde la personne. Oui. Et cette idéologie doit disparaître, on doit bannir cette idéologie-là. Mm-hmm. Voilà. Alpha Condé, il va partir, mais l'idéologie qu'il a instaurée en Guinée, là, c'est grave. Mm-hmm. C'est très, très grave. Donc, oui. Nous devons nous donner la main mm-hmm. et travailler ensemble. Mm-hmm. Nous devons, c'est ce que nous devons comprendre. Mm-hmm. Aujourd'hui, les Guinéens, parce que le problème guinéen, c'est quelque chose qui est partagé. Il y a la responsabilité est partagée entre les Guinéens. Oui. Les dirigeants ont leur part. Et la population à sa part. Oui. Et je dirais même, la population a 70% oui, beaucoup. De la responsabilité. Oui. Aujourd'hui, M. Doumbouya est venu, peut-être mm-hmm. qu'il a venu avec des bonnes intentions. Mm-hmm. Mais c'est, si la population ne l'aide pas, comment on peut l'aider? Il faut qu'on soit unis et regarder l'intérêt commun. Oui. L'intérêt général mm-hmm. autour des Guinéens. Mm-hmm. C'est ce que nous devons mettre en avant mm-hmm. et pas les individus. Oui. Et n'oublions pas aussi, je dis souvent, le peuple, les dirigeants sont à l'image de leur peuple. Tout à fait. N'oublions pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comment te kouluna yuwalla alaykoum. Ok. Comme vous êtes, c'est la même manière que vous serez dirigé. C'est la même. Donc, et Dieu même, lui, il a dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Que Dieu ne change l'état. Dieu ne change pas l'état d'un peuple. Tant que ce même état ne change pas ce qui est à lui. Mm-hmm. Donc, si nous étions dans les erreurs, alors sortons dans ça et soyons concrets. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc, non, comment on va se dérouler dans le monde? Il y a un terreau, il se trouve à Bill. Ah ouais. Il y a un terreau, on a un moment de réussite. On a un moment de réussite. De la même. Mon bon son bourré, il a un accès. Alpha Condé a dit que par la moitié, vous me bêtez, à ce qu'il réagisse. Avant la moitié, vous me bêtez, à ce qu'on est des mouvements. Vous me bêtez, il a un accès à ce qu'on est.
Wallahi on a problème de bramoston amuna amuna moy amuna moy di sono
on a parlé alpha fondé de lui il n'a pas fondé pour le dimanche ah ou bien il y a un moment il n'a pas eu de la mamera à la fin du coup de l'ira ou du coup de monte qui j'arrive à la fin de la bonne pour à la main qui n'a pas on a pas ou n'y pas à partir en providentiel souvent la vraiment il n'y a pas un homme providentiel. Mm-hmm. Providentialité, à la Namibara, à la attribut de la Meki. Quand nous avons dit providentiel, nous avons dit que 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 ceux qui demandent le numéro, si vous êtes en France, c'est le 06 27 85 89 96. Ceux qui sont en France, 06 27 85 89 96. Ceux qui sont à l'étranger, 00336-27-85-89-96. WhatsApp ou directement. Il y a WhatsApp dessus. Donc, voilà. Je vais le rappeler. Après, Fariga. Ah, on va faire un racket. Voilà. Donc, on va faire un il veut créer un nom, il veut créer un nom, il veut créer un homme présidentiel. Il veut créer un nom. 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 Alla dine da na ma e ki unako lu ma di me fi do ko ikha de rabi dine se sala e ka na an na dine amun na rabi ita mi di ita mi di da mo ta na rabi ni wonke di de bi ni mo ma bi di do mo ma ba di ita mi ba lo e ka ba ma lo na abi alternance na i ma kare na oui voilà alla da alla sa creation da mo fi ida ki ata ko ata ko ata ko yi ma a ke dani a ke jana no ko dira i pa na ke ha ha ko mo Donc, avant de rappeler, je vais signaler un truc. Peut-être que je vais faire un direct sur ça un autre jour. Les gens qui disent que le malinké a remplacé un malinké, que les peuls sont en train de danser, vous savez c'est quoi? Parce qu'ils s'attendaient au contraire. Parce que dans leur tête, votre problème c'est le malinké. Parce que eux, leur problème c'est le peul. Je vous ai dit, ce que l'adversaire pense de toi, il pense que tu penses la même chose de lui. La réaction qu'il attend de toi, il attend la même réaction. Il pense que c'est réciproque. Quand quelqu'un est con, il pense que la personne en face est conne. Quand quelqu'un est voleur, il pense que la personne en face est voleur. Quand quelqu'un est menteur, il pense tout ce que tu dis que c'est faux. Il pense pas, il y a des gens qui ne pensent pas qu'il y a leur contraire qui existe. Donc c'est tout simplement cela. Tout ce qui se passe, je vous ai toujours dit cette histoire de peu le pouvoir. Donc il y a des gens qui ont ça dans leur tête. Donc, s'il y a un malinké, c'est le malinké qui dérange les peuls. Ce n'est pas Alpha Condé et son système, c'est le malinké qui dérange les peuls. Maintenant, vu que vous n'avez pas réagi comme ça, ceux à qui ils sont en train de reprocher cela n'ont pas réagi de cette façon, c'est-à-dire les peuls, forcément, ils veulent vous pousser à bout pour montrer votre côté ethnique. Cette ethnicité chez vous, pour le montrer, mais il faut refuser. On est comme on est, on ne peut pas être comme quelqu'un veut qu'on soit. C'est tout, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, ne rentrez même pas dans ce jeu-là. Vous voulez aller vous jeter à la mer, nager, danser dans la mer, même si je n'aime pas les choses-là, sauter, faire des trucs. Je ne sais même pas quoi vous dire, faites-le. Et il faut même être content que c'est un malinké qui est venu au pouvoir. Oui,
Le malinké, elle avait le pouvoir parce que le peuple a bloqué un malinké. Sédoula, elle a bloqué Alpha Condé pour ouvrir la porte à un autre malinké. Il faut leur répondre ça. Que quand on dit la Guinée est une famille, nous, on vous montre que c'est une famille. Mais vous, vous êtes des éléments pourris de la famille. C'est vous qui sentez mauvais. Votre mauvaise odeur, c'est ce qui fait sentir mauvais le pays là. C'est pourquoi c'est sale. Quand je vous dis que les Guinéens ont l'âme sale, alors c'est ça. Vous allez voir le vrai visage des gens. Je vous dis, ils ont pris. Eh, Khalifa, toi aussi. Ah, ta tête est dure, hein. Je ne sais pas où tu es. Si tu es en France, c'est le 06 27 85 89 96. 06 27 85 89 96. À l'étranger, 00 33 6 27 85 89 96. Ou alors, tu vas sur la page. Sur la page, il y a le numéro. D'habitude, j'écris là, mais même quand tu écris, il faut dire encore. Et ce n'était pas prévu que les gens interviennent. Je suis désolée pour ceux qui viennent d'arriver. Docteur Fakoli est passé avant parce qu'il a eu un contretemps. Donc, au lieu de commencer à... C'était quelle heure? Au lieu de commencer à 19h, on a commencé à moins 20 ou quelque chose comme ça. Parce qu'il a eu un petit contretemps et je ne voulais pas annuler parce que j'avais déjà passé... comment on appelle ça? J'avais déjà mis une publication dessus. Et depuis que cette histoire s'est passée, on n'a pas... Je n'ai pas intervenu dessus. Et vu que c'est quelqu'un qui avait un peu prédit en quelque sorte tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à Dr. Doumbouya. J'ai dit Dr. Doumbouya. Le colonel Amadi Doumbouya. Donc, je lui ai donné cet honneur de, parce que vraiment, il a un peu parlé de ça quand même, quoi. Donc, il est venu intervenir. D'autres personnes ont intervenu. Et je reviens sur ça. Ceux qui disent que le peuple est en train de danser parce qu'un malinké au pouvoir, ça prouve que le peuple n'est pas ethno comme vous voulez le faire croire aux autres. C'est vous qui êtes des ethnos. Et ne rentrez pas dans ce jeu. Il faut beaucoup communiquer dessus. Les communicants qui vont me regarder, il faut communiquer sur cela. On est dans une phase. Je vous ai dit, ce combat-là, il y a plusieurs étapes. Ce n'est pas fini. Hein. Il y a plusieurs étapes. Et ceux qui disent que ne rêvez pas, on ne va pas rendre la victoire de Sédou. On peut rêver que s'il avait reconnu Alpha Condé, vous pensez que Mamadi Doumbouya serait là-bas aujourd'hui? Quand vous avez la mauvaise foi et la mauvaise volonté, Allah est en train de vous parler. Vous ne comprenez pas. Il vous parle tous les jours. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que ce sont les peuples qui vont prendre l'arme. Mais c'est un malinké. C'est ce qui fait honte. Parce qu'il s'attendait à un peuple. Il faut vous asseoir, commencer à réfléchir. Je le dis régulièrement dans mes vidéos. Qu'est-ce que chacun de nous, moi, vous qui me regardez là, qu'est-ce que moi j'ai fait à Allah? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bien? Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aime le peuple comme tu t'aimes toi, malinké. Aime le soussou comme tu t'aimes toi, malinké. Aime tous les forestiers comme tu t'aimes toi, peuple. Si les ethnies ne s'aiment pas entre elles, c'est les blancs qui vont aimer les noirs. Donc quand j'entends les panafricanistes, ils me font rire. Parce qu'ils ne sont même pas capables de régler le problème ethnique dans leur pays. Ils veulent régler un problème africain. On a un manque de réalisme total et la mauvaise foi. On dirait que Allah a collé ça à l'Africain. Tellement qu'il a la mauvaise volonté. Maintenant, on va prendre quelqu'un. Allô? Oui. Ouais, comment ça va là-bas? Bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame, c'est Ba Mohamed. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends très bien pour l'instant, ça va? Franchement, moi j'ai entendu hier et vous allez faire live, mais je suis content, vous avez retardé ça pour aujourd'hui. J'étais en train de dormir, vous avez vu ma voix. Donc, oui, oui. Madame, tellement que je suis content et avec la façon que vous prenez les choses, je ne sais pas comment vous remercier. C'est Allah qui va vous remercier. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui enseigne le Coran. Et quand vous parlez certaines choses, je vous dis, franchement, je vois, on dirait que vous avez lu les versets coraniques ou bien la parole des prophètes, ce qu'on dit les hadiths. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui voulait le paradis, qu'il aime, pour une autre personne, la même façon qu'il est pour lui-même. Oui. C'est ça que vous venez de parler. Oui. C'est pour ça que j'ai décidé de vous appeler. Je voulais juste participer et écouter. Mais franchement,
vous lâchez des mots. Franchement, on dirait que vous avez lu le Coran ou bien vous avez lu les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de commencer à parler. Moi, franchement, je suis content. Je me souviens tout petit. Mes parents, ils écoutaient Salif Keita, le Mandjou. C'est là que j'ai entendu le Mandjou, le Salif Keita. En grandissant, on a écouté Bambino Diabaté, Kasumama, tous les pères, vous avez toutes les maisons. Je suis né et grandi dans Sierra Leone. Vous avez Kasumama dans toutes les maisons. Et après, Yeke, Yeke. On a écouté les musiques des Mané, on aime les Manéke, on rigolait avec eux, des Sanako, Sanako. Mais ce monsieur-là qui vient de partir là, il voulait tout casser. Mais Alhamdulillah, on a trouvé un autre Manéke qui nous a montré comme vous, ou Mandian Philippe, ou bien Fama Kanté, ou les autres. Franchement, ou bien Madame Dessou Kondé, moi je disais toujours à mes amis, attention, ça ce n'est pas problème et tout, ça c'est Alpha Kondé le problème, avec son clan. Alhamdoulilah, il y a eu un autre mannequin qui les a mis à côté. Aux États-Unis, il y a les Chiroquais, ça c'est les langues. Il y a les Chiroques, il y a plusieurs langues aux États-Unis. Alors qu'ils sont tous des blancs, mais on ne voit pas la différence. Oui. Ils ont dit les États-Unis d'Amérique. Oui. En Europe, ici, on a cassé les frontières. J'habite à côté des Maastricht ici. Mais on traverse le front, on ne voit pas où il y avait la frontière. Quand un Sénégalais vient aux États-Unis, il voulait qu'on lui donne les papiers. Quand un blanc dit rentre chez toi, il dit est raciste. Oui. Mais combien de temps on vit ensemble? Oui. Combien de temps on vit ensemble? Oui. Et pour, à cause de ces messieurs-là, franchement, et comme vous parlez chaque fois, il a raté tout. Et j'ai écouté cet après-midi le président de la NAD, qui s'est nommé M. Alpha Kone, et M. 18%. Et j'aimais bien cet nom-là. Parce que Allah, il l'a montré aux Guinéens, celui qu'on croyait Mandela, s'il mourait en prison. Franchement, on allait faire sa photo sur les 20 000 francs guinéens ou bien les 10 000 francs guinéens. Oui. Mais Allah l'a montré à tous les Guinéens, c'est le mauvais côté. Oui. Merci beaucoup, madame, l'élève de prière, Salat al-Maghrib. Je vous remercie et tous les jours je prie pour vous et des gens pareils comme vous, comme Mandian Philippe ou Fama Kanté ou bien Angie Le King. Que Allah vous guide vers le paradis et nous tous, Inch'Allah. Merci infiniment. Salam alaikum. Salam, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Je vais essayer d'appeler celui-là, je crois. Ok, c'est bon. Ayana est sourd. Ou bien je l'ai déjà appelé. Je ne sais même pas si lui-là, je l'ai déjà rappelé. Ok, toi on va te laisser. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'appeler. Il va rappeler cette personne. On va bien y avoir un réseau. Ok. C'est un numéro français, je vais l'appeler. Non, on prie à 40 quelque chose. Allô? Bonjour madame. Oui, bonjour, comment ça va? Oui, ça va et vous? Ça va, alhamdoulilah. Moi, je m'appelle Kaba, je voudrais juste intervenir rapidement. Allez-y. En remerciant tout d'abord. Oui. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes très contents de ce qui s'est passé. Et tout ce qui s'est passé, c'est même un peu humiliant, même si je n'ai pas aimé le professeur Alpha Kone, mais sa sortie d'un endroit, il a été humilié, c'est quand même grave. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu parce que ce n'est que les conséquences de ses actes, en fait. Oui. Donc ça nous montre, en fait, à quel point un chef doit être quelqu'un qui doit rester humble, savoir que le pouvoir, c'est Dieu qui lui donne et qu'il est là pour travailler pour le peuple dans son entièreté. Franchement, donc, tout ce que je veux dire, c'est qu'on oublie toute cette histoire d'ethnocentrisme, etc. Moi-même, j'ai même été très content que ce soit un Doumbouya de Cancan qui ait fait wallah, parce que ça aurait été un Baldé ou un... Wallahi mon frère.
Voilà, quand j'ai vu ça, je dis Alhamdoulilah. Dieu sait nous répondre. Il sait nous répondre. Les gens n'ont qu'à rester mobilisés. On est une famille. Moi, ce soir, il fallait ma. Ma mère, elle est Peul, moi, mon père, il est Malinké, j'ai fait la forêt, moi, la Guinée, tout le monde est égal, tout le monde est égal devant moi. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de se rassembler, parce que là, c'est le début, c'est facile, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Et être vigilant, même temps. Il faut qu'on soutenir la transition. Oui. Franchement, de soutenir, rester unis derrière eux, leur dire, nous, on veut des principes démocratiques, qu'ils puissent faire un grand nettoyage avant de céder la main à celui qui sera démocratiquement élu, sans problème. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et j'espère que tout le monde va s'unir en fait, l'extrémisme n'arrange jamais quelque chose. Ça, c'est partout dans le monde. Tous les extrêmes n'arrangent jamais un pays. Il faut toujours rester modéré. Il faut toujours rester serein. Il faut toujours aimer son prochain, en fait. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. C'est la première fois que j'interviens dans vos lives, mais je suis tout le temps. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais quand même placer quelques mots et dire que voilà, j'espère que ça servira de leçon à tous les futurs présidents guinéens, à tous les futurs ministres. C'est une leçon quand même. Savoir qu'ils doivent rester humbles et vertueux, qui sont là pour leurs compétences et travaillent pour la Guinée. Ça ne sert à rien de voler, faire ceci ou cela. Et être arrogant. Et être arrogant. Ça tourne toujours comme ça. Oui. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Awago. Et je vais laisser rapidement en fait, la parole au suivant. D'accord. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Awa, merci. Qu'Allah vous paye. Merci. Moi, chez moi, ici, la prière, c'est 44. Hein. Oui. L'Allemagne qui a appelé, là, il faut rappeler. Attendez, je pense que c'est 20h44. Que Tata Kadia, tu dois te rappeler. Elle n'a qu'à rappeler. Ou bien. Parika, elle n'a qu'à rappeler. Ama Orimba. Allô? Oui. Nga, il n'y a pas. Il n'y a pas. René Ali Mondiallo. J'habite aux États-Unis. Je voulais juste appeler pour remercier tous les Guinéens. Je suis vraiment content que Dieu bénisse la Guinée. C'est tout. Amen. Toi, c'est tout bien. Merci beaucoup. Merci. Ayon. Hey. Awa, tata. Allô? Awa, tata. C'est bon? C'est bon, c'est très bien même. Ok. En fait, j'ai oublié de mettre un petit trait sur quelque chose concernant la victoire de Selou Talin. Vous savez, Selou Talin est allé aux élections avec. Comment on appelle ça? Avec une constitution qui est différente maintenant. Moi, je me dis quelque part que faut plus maintenant qu'on compte sur ces résultats. Par contre, on peut se préparer pour les élections prochaines pour pouvoir mettre ce monsieur au pouvoir. Parce que même si aujourd'hui qu'on organise les élections, moi je donne ma tête à celui qui va les remporter. Oui, mais est-ce qu'on ne va pas encore le tricher? C'est ça le problème. Parce que si ce Mamadi Doumbouya la continue à travailler avec quelques maudits qui étaient là avant, ou alors on vient le dribbler comme ils ont dribblé Konaté, c'est ça quoi. Mais quoi qu'il en soit, Tata, c'est ce que j'ai dit. Écoute, une minute, écoute seulement. Tu sais, tout est bon. Les élections peuvent être prévues. On a nos anciens trucs. On parle de l'ancienneté encore pour qu'ils sachent qu'on tient à ça. Et on revisite. Dès maintenant, il faut commencer à travailler sur cette histoire de logiciel, sur comment faire les mouillettes chouilles là encore. Mais tout en parlant de l'ancienne élection, il ne faut pas laisser ça. C'est-à-dire, nous, on a un alpha-réki.
di élection fait fala fait na me tay toro fait transition fait fala fait na me tay toro fait coup d'état groupe gbegbe na nunara na me me tay toro fait donc na pir nous na lo finkar gbegbe ko na team rekere na de toro ka wonti na 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 am toro voilà na pir politique na na pir na ber na ba ma politique na pe alpha ta na ra politique a to na ra na fera ben gere ba ma pe me re na na tende ma yiri me re mo nokoro ma donc tata ce que tu dis là tout est dedans on va tout faire. On va tout faire. Parce voilà. Que moi, voilà. Quelque part, du fait que CDD n'a jamais reconnu cette victoire, cette fausse victoire, c'est ce qui a donné naissance à ce putsch. Voilà. Un putsch filmé, j'ai jamais entendu parler et j'en ai jamais vu. Je salue Fakoli Kumba, Fakoli Daba. Franchement, qui travaille dans le cadre des Fakoli. Parce que ces gens-là n'ont qu'une seule parole. S'ils le font, c'est bien. Mais moi, je n'ai pas assez d'espoir. Je regarde. Oui. Parce qu'il est jeune. Il est jeune. Aujourd'hui, on dit qu'il est français. Et l'autre qui est là, qui nous a tués, qui a tué nos enfants, qui nous a humiliés. Il est quoi? Il n'est pas français? Et là, le dangou. Moi, je dis, restons constants. Et nous arriverons là où nous voulons y arriver. Ça, c'est un autre combat encore, Tata. Voilà, mais pour l'instant, moi, je pense que ces résultats sont partis à l'eau. Du moment que la Constitution a été dissoute par M. Comment ça s'appelle? Par Fakoli, par M. Doumbouya. Donc, c'est pas possible. Parce que c'est cette Constitution-là qui destitue Alpha Condé. Bon, quand je dis destitue, c'est qu'il se réclamait gagnant de ces élections. Malheureusement, non. Donc, cette constitution, elle n'est pas valide. Et tous ceux qui font, toutes les institutions qui en découleront ne sont pas valides dans ce cas. Donc, il ne faut pas qu'on compte maintenant beaucoup sur ces résultats-là. Mais on peut en parler quand même, Tata. Voilà. Tata Hélène, on peut en parler parce que ça dérange. Ça va les déranger, voilà. Quoi qu'il en soit. Voilà. Alpha Mouguéné. Voilà. On se dit toujours que le roi est mort et vive la République. Ah, merci, c'est Tata. C'est de ça, il s'agit. Je te dis. Alpha Nanguéné, Rouen Minirara a sauvé. Et Yagina. Et parce que tu as un gâteau, 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 tu Ah, les Guinéens, affaire d'Alpha Condé là. Ce qui vous a mis dans ça, vous allez regretter. Et l'heure de prière arrive. Allah va me comprendre, il comprend tout. Il me comprendra si j'ai 15 minutes ou 10 minutes de retard. Allô? Allô? Oui. Comment ça va? Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Oh, mashallah. Merci, madame. Avant toute chose, je dirais alhamdulillah, rabbil alamin. Je remercierai Allah. Et puis, après ça, je vous remercierai, vous, pour votre combat. Le combat de toutes les personnes qui combattent comme vous, parce que vous êtes sincère. Ce que moi j'ai constaté sur ce coup d'état entre guillemets, bien que tout le monde est content, mais moi je sais que c'est moi je pense que c'est un coup monté. Soit alors ils ont monté ça entre les ministres et autres, les coordinations, c'est et possible, tout ça. Oui. Soit alors le mec il a eu peur d'être arrêté et puis il a fait son coup. Il a arrêté avant d'être arrêté. Oui, il y a ça aussi dedans. Parce que le papa. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est des Noirs avant tout. On ne peut pas faire un coup d'état comme ça sans qu'il y ait des morts. Tout le monde a vu des tirs à Kaloum, a entendu des tirs. Il n'y a pas de morts. Donc, ils ne prennent pas des gens comme pour des cons. Mais, comme on dit en poulard, on ne dit pas que heureusement la maison a brûlé, mais on peut toujours dire heureusement que l'endroit est éclairé. Excusez-moi. Oui. Autre chose que je... que j'ai remarqué qui m'a choqué ces jours-ci, malgré tout le respect que j'ai pour M. Mandian Sidibé, je l'ai toujours suivi quand j'ai le temps. Oui.
c'est le fait de dire, de venir ici annoncer que Sékou Konaté est son meilleur ami. Sachant que c'est Soulard qui est refusé à Paris aujourd'hui, c'est que c'est quand même une bonne partie à cause de lui qu'on a hérité cette situation aujourd'hui. Parce que lui, il pouvait entrer dans l'histoire s'il voulait, s'il mm-hmm. était intelligent. Mm-hmm. Que ce ne soit pas lui ou Dadi, mm-hmm. il pouvait entrer dans l'histoire. Oui. Alors, je sais qu'il y a, il y a toujours des gens, mm-hmm. parce que même Niel aujourd'hui, il y a les gens qui vont venir ici l'apprécier. Mm-hmm. Il y a les gens qui apprécient Barry White, malheureusement. Mm-hmm. Les gens, le noir me fait pitié, madame, parfois. Voilà. Oui. Mm-hmm. Sinon, il y a de quoi apprécier Dadis Camara. Vous avez entendu les déclarations ces jours-ci. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment dommage que M. Mandian Sidibé puisse prendre Sékou Konaté. Parce que moi, je reviens toujours en arrière. Moi, je ne vais pas sauter sur des trucs comme ça, faire des fêtes comme ça. Non. Mm-hmm. Comme dit Kémy Séba, il dit on va lui juger ses militaires sur les actes, sur ses actes. Il est beau de venir ici dire que Thierry Rowling, ceci, cela, ceci, cela. On vous attend, monsieur. Si vous êtes vraiment un homme digne, on verra vos actes. On le saura très vite. À partir du moment où on sait quand on... Mm. Comment? J'ai dit, on le saura très bientôt. Inch'Allah, madame. Mm. On sait que... Comme, c'est-à-dire que ça me fait la peine. Parce que nous, vous avez vécu en France. Moi, j'ai vécu là-bas avant vous. Regardez le conscience des Noirs. Moi, je me rappelle en France, on a un jour nommé, il y avait un ministre qu'on appelait Hervé Guémard. Mm-hmm. Pourquoi lui, il a démissionné? Regardez le conseil des Blancs. Parce que tout simplement, mm-hmm. on l'a attribué un appartement qui avait quelques mètres carrés de trop. Mm-hmm. Quelques mètres carrés. Et pourtant, lui, il avait quoi? 6 à 7 enfants. C'est mm-hmm. très rare pour un Blanc qui a 6 enfants. Mm-hmm. Mais puisqu'il avait beaucoup d'enfants, on l'a donné un appartement qui est un peu grand à Paris. Mm-hmm. Donc, les journalistes sont un peu acharnés sur lui. Mm-hmm. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Il a laissé, je crois, à Haute-Savoie ou à Savoie. Il, mm-hmm. il a démissionné. Il est rentré chez lui. Oui. Tandis que nous, chez nous, un ministre, il peut goudronner jusqu'à devant sa porte. Jusqu'à... Je me rappelle Jean-Marie Doré qui disait que ici, c'est le village des grands-pères de Sékou Konaté. On va goudronner. Ici, on va faire tout ce qu'on veut. Que les gens, les ennemis, s'ils veulent, qu'ils l'ont pas allé se faire suicider. Mm-hmm. Et tout ça, tous ces hommes-là qui pensaient qu'ils n'allaient pas mourir, hein, Jean-Marie Doré et autres, vraiment, madame, je suis désolé pour dire que moi, c'est vrai que tout le monde est content aujourd'hui, franchement, même moi qui suis un peu en colère à la fois, mm-hmm. je suis aussi content. Des gens comme vous, surtout, je vous remercie pas assez. Chaque fois que je regarde vos vidéos, je n'ai pas toujours le temps de regarder après toutes vos vidéos. Mais mm-hmm. quand je tombe dessus, j'abandonne tout ce que j'ai pour vous suivre. Parce que, comme je disais un jour, que moi, c'est, vous êtes mon idole, mm-hmm. vraiment. Mm-hmm. Parce que moi, j'aime la vérité. Mm-hmm. Ceux qui m'ont connu, ils le savent. Moi, j'ai vécu à Grenoble près de 10 ans. Mm-hmm. Demandez à tous ceux qui nous écoutent. Moi, mm-hmm. j'aime pas les trahisons. Donc... Mm-hmm. Malheureusement, je ne suis pas président. J'aurais bien aimé être président, mais je sais qu'on allait tout de suite me tuer avec le cerveau qu'on a. Oui. Mais franchement, on ne perd pas l'espoir. Mais en tout cas, on attend ces militaires, voir si ce n'est pas manigant, on verra bien. Inch'Allah, je vous remercie beaucoup de m'avoir accepté ici. Merci. Parlons si mes paroles ont blessé. Non, ça va. L'intention, c'est vraiment pour faire le bien. Oui, merci beaucoup à vous aussi. Ok, madame, merci. Bonne soirée. Et voilà. Et Awa, je vais prendre un dernier hein, qui a appelé là. Ça se mélange les appels. Awa. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Et Khalifa depuis la Hollande? Ah, finalement, Khalifa. Ok, d'accord. Bienvenue. On vous écoute alors. On vous suit avec beaucoup d'attention. Mm-hmm. Et votre page, vraiment, c'est pas très noble. Mm-hmm. Des personnes qui interviennent, ils interviennent avec sérénité, et que vous aussi, vous êtes une personne vraiment respectueuse. Mm-hmm. Donc vraiment, on vous encourage très bien mm-hmm. dans ce que vous êtes en train de faire. Oui. Donc,
l'actualité politique de notre pays, vraiment, vous avez évoqué plein de choses. Nous trouvons que vraiment, vous êtes une personne vraiment avertie. Vous savez ce qui se passe. Et on vous remercie aussi très sincèrement. Pour ce. Je ne sais pas si je vais m'exprimer en polar, en soussou. Allez-y, en soussou, en polar, il faut tout mélanger là-bas. Non, à Onga et pas la soussou. Ah, Onga. Alors, voilà, ok, bien enfin. Vraiment, Hadja, si vous voulez, Allah est la réussite. Amin, Allah. Allah est la réussite. Amin, amin. Vraiment, il y a une réussite. Il a dit que c'est un peu comme ça. Non, mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Oui, effectivement. C'est un peu comme ça. Il n'y a pas de situation de la situation. Parce que il n'y a pas de situation, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de situation. Quand il n'y a pas de situation, il n'y a Toto, nan dangi se to. Kali, alo, mbar, bi gebe wira met. Kali, bete, ube mi bete nangi wali bete rabani. E mane, a, adangi rekin, adangi rekin. Kono nondi, mu dangi ma gore kambi. Nondi, ala fi ma nondi kanyinambe. Utu ita. Ibara, kebe beraba, mi gebe nana, mara ne agbegbe gbegbe bar wo ngbegbe fale ko bira ko na bayin na non dikira na homma ala bar na non dikira ti makka nana to ko to na ka ko gawe we wi ira wali kuma parce que ina non dikira na hom won na kam pam pala moto umbara to to dimi re mi re na yara ti rato ou ma bokima. Et bien, vous avez dit fala. Oui. Kono? On avez dit que vous avez oui. Mais ça fait qu'il y a un colon. Je ne sais pas si vous avez dit que vous et naka dira que vous avez dit parce que nous sommes des femmes nana et na kiraya na ngomma et na kiraya na ngomma e wa mane que gi mirina ra e ha won biri ta kira kire ngom na ki me khay fa na na matu won tan la ki na ka won khay fa na na matu donc vraiment Mouen Rabouma. La information est narrée. Je vais vous faire une mon homme a été à disposition. On a fait Alhamdulillah parce que il a discours qui et voilà, on a fait la Guinée, c'est ça qui est la Guinée. On a fait la Mange kapolo wende aha fala wokeli wo une minute de silence si je ne rêve rien faire et j'ai fait ma oui à bas rating d'aîné oui moi t'en a pas espoir tant si mais bébé ma vie yo free and date in the nancy fan et na a wobi n'a l'ouïre kere aura kere n'a l'ouïre la mani ah non di wonga ngani dire ko kamba to na kanu na kan lama ana kan napa oui kadiri pan wonta la gine ke wombir nga kere womba ba kere ne ke ka pin de ba e hunye tan toto ma nlambe fule ngeli ya hanke et voilà tout. Donc, la Guinée, je crois que
d'une ethnie rassou, la Guinée, c'est des personnes médiocres. Oui. Quand on est médiocre, on met l'ethnie devant, on met son ignorance devant des faits. Mm-hmm. Donc vraiment, je ne m'attarde pas, je ne prends pas votre antenne trop, mm-hmm. madame. Mm-hmm. On vous remercie, mm-hmm. on vous encourage. Merci à Dieu. Vraiment, mm-hmm. bon courage à vous. Mm-hmm. Merci. Et je vous appellerai d'accord. et je vous enverrai d'autres informations dans votre inbox. D'accord, d'accord. Merci à vous. D'accord, merci beaucoup. Qu'Allah vous paye. Merci. Allô? Allô? Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir, comment ça va? Ouais, ça va, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Ok, je vous remercie beaucoup pour votre travail que vous effectuez. Vraiment, c'est un grand courage. Vous avez effectué un bon boulot ici depuis le début jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Je parle, il y avait un monsieur, docteur Pakoli avait intervenu ici, vous l'avez posé une question, comment monsieur Doumbouya va réussir pour avancer la Guinée. Mm-hmm. Allô? Oui, allez-y, je vous écoute. Je donne aussi mes idées, comment il peut sortir, parce qu'il est sur un terrain miné, très. Comme les gens disent. C'est pas du tout facile. Oui. Le pays actuellement, on ne dit pas tout est gâté, mais on est dans le, disons, presque dans le trou. Oui. Oui, donc c'est pas du tout facile. Oui, moi, pas du tout, voilà. Ce que je vois, comment il porte de sortir pour la Guinée, parce qu'il n'est pas seul, il demande aussi l'aide de tous les Guinéens. Mm-hmm. Oui. De Conakry jusqu'à Yomou, de Boké jusqu'à Sigiri, mm-hmm. la participation de tout le monde de façon positive. Mm-hmm. Et on a vu, il y a eu beaucoup d'échecs, mais comme il a dit dans sa déclaration, mm-hmm. il ne veut pas répéter la... Et comment dirais-je, les échecs, ce que les autres ont fait, lui ne va pas répéter cela. Mm-hmm. Bon, mes idées pourraient être très courtes, si c'est possible, il commence par un pouvoir de transition de 24 mois. Certains vont dire ça, c'est trop, mm-hmm. mais c'est pas trop, parce que la Guinée est dans un trou. Mm-hmm. Dans ces gouvernements de transition de 24 mois, mm-hmm. il va composer un gouvernement d'union nationale composé mm-hmm. De tous les partis. Mm-hmm. Après avoir créé cela, et puis, deuxième lot, il crée une haute cour de justice qui permettra à juger tout ministre coupable. C'est-à-dire de vol ou de détournement des deniers publics. Mm-hmm. Ça, cette cour, elle est là, elle peut faire cela. Oui. Troisième position, réformer la cour constitutionnelle. Mm-hmm. Et réformer la cour suprême. Mm-hmm. Réformer la CENI. Mm-hmm. Élaborer un nouveau fichier électoral. Mm-hmm. Et il crée une commission de vérité et réconciliation entre les Guinéens parce que il y a un grand problème entre les Guinéens mm-hmm. qu'on dit ou on ne dit pas. Oui, c'est clair. En créant cela, mm-hmm. On se base sur l'éducation parce que actuellement l'éducation guinéenne, vraiment, c'est, je ne dis pas c'est nul, mais ça ne va pas du tout. Mm-hmm. Mais de toutes les façons, vous m'entendez, vous n'allez pas, excusez-moi, parce que là, ça fait 3 minutes que vous parlez, vous n'allez pas énumérer tous les problèmes de la Guinée, parce que sinon, on ne va pas partir d'ici, hein, puisque tout est à refaire. C'est 7 points. C'est 7 points seulement dans les 24 mois mm-hmm. qu'il peut faire à la tête de tous les Guinéens. Mm-hmm.
Ça, il peut faire. Mm-hmm. Maintenant, on passe maintenant à parler d'élection. On commence par l'élection de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Ensuite, on termine par une élection présidentielle. Mm-hmm. Malgré que l'UFDG a fait beaucoup d'efforts, mm-hmm. et c'est grâce à l'UFDG qu'on est arrivé à ce pays-là. Mais ouais. on peut, l'UFDG peut faire le sacrifice mm-hmm. pour que la Guinée sorte dans cette situation. Mm-hmm. Moi, c'est ce que je vois. D'accord. On reviendra dessus donc, de toute donc, façon. Ce n'est que le début. On n'a pas monopolisé le comment dirais-je, l'antenne. Je laisse aussi aux autres d'intervenir. D'accord. Et vous parlez parce que vous m'avez appelé, mais j'ai prié en ce moment. Voilà, parce que justement, moi, l'heure de prière, là, ça passe. Donc, il faut que j'arrête. Oui. Je prends une personne, oui, je donc, lui donne trois minutes. Je vais vous laisser et je vous remercie beaucoup. Mm-hmm. Ça, c'est mes petites idées que je peux apporter pour l'instant. D'accord. Non, ce n'est pas des petites idées. C'est de très bonnes idées. C'est seulement le temps qui... Ouais. C'est la prière qui me met la pression, quoi. OK. Ouais. OK, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, merci. Au revoir. Quand l'heure de la prière arrive, ça me fait... Ça me fait bizarre, quoi. Allô? 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 Allô, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, comment ça va? Allô? Oui, allez-y. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Et vous? Ça va, alhamdoulilah. Vous avez trois minutes, hein, parce que... Ça va, je vais bien. En fait, je... Mm-hmm. Ok. Diminuez le son de votre téléphone là-bas. Vous expliquez maintenant là. Mm-hmm. En fait, je suis vraiment ému aujourd'hui et je suis très heureux comme tous les Guinéens uh-huh. qui se sont dit cette victoire vraiment affichée devant nous parce que c'est une victoire mm-hmm. qu'on ne peut pas nier. En fait, le Dellozy Alpha Condé au palais Sekhtouria, vraiment c'est une chose. Qui doit réjouir tout un Guinéen épris de paix, de justice mm-hmm. et de bonne conscience, en fait. Mm-hmm. Donc, est-ce que je peux aussi suggérer aux Guinéens mm-hmm. parce qu'une Guinéenne ne va pas refaire les mêmes erreurs du passé. Parce que, en fait, déjà, le colonel nous. D'accepter de ne pas tomber mm-hmm. dans ces mêmes erreurs. Parce que c'est quoi les erreurs? Se mettre là aujourd'hui à applaudir et à crier victoire pour ces poutistes, parce qu'il faut les appeler par le nom idéal. Mm-hmm. C'est vrai que c'est une libération totale. Nous contribuons tous et ils ont notre adhésion totale mm-hmm. à ce qu'ils ont fait. Mmh. Mais ce qu'il leur revient de faire pour le peuple de Guinée, mmh. c'est vraiment, ce n'est pas maintenant là se lancer à des projets de développement. Sincèrement, pour la bonne démocratie, pour la bonne marche, on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de nous parler vraiment d'une transition libre et apaisée, une transition inclusive, où tous les Guinéens peuvent se concerter et prendre des bonnes décisions, allant dans le sens d'organiser des élections libres et transparentes. Des mm-hmm. élections libres et transparentes, c'est seulement ce que nous voulons de ce mouvement, de ces forces spéciales. Mm-hmm. Et ce qu'ils ont fait déjà, et ils ont fait l'essentiel du travail, ce qui mm-hmm. reste, c'est un seul boulot, c'est de ne pas vraiment entamer maintenant mm-hmm. des projets de développement, des projets économiques, des projets de révision minière ou autre chose, on n'en a pas besoin. Ce qu'ils ont à faire peut-être seulement est pour un début, parce qu'on ne peut pas aller à une élection sans une constitution. La constitution est déjà suspendue ou dissoute, je ne sais pas quelle est la bonne décision, parce qu'ils ont parlé des deux termes, la suspension ou la dissolution de mm-hmm. de la constitution. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, mm-hmm. et partir sur les bases d'une nouvelle constitution, ça, mm-hmm. on peut accepter parce que c'est impossible. Hors la constitution, c'est pas possible d'organiser une élection, mm-hmm. mais que les gens vraiment arrêtent. Parce que je vous dis, hein, mm-hmm. moi je suis loin de là-bas, mais j'ai une information qui m'inquiète vraiment. Mm-hmm. D'hier matin, depuis que ce coup d'État a eu lieu, mm-hmm. jusqu'à maintenant où nous parlons là, mm-hmm. il y a eu des gens, des Guinéens, qui mm-hmm. ont été capables de faire des banderoles de CNRD, des banderoles de soutien
est affiché à des endroits dans Conakry. C'est trop rapide, ça. C'est trop rapide et c'est trop spontané et c'est pas bon. Oui. C'est pas bon pour nous, les Guinéens. Oui. Parce que c'est ce qui s'est passé avec le CNDD aussi, et à l'époque. C'est ce qui s'était passé avec le CNDD. Donc, on ne doit pas revenir dans les mêmes erreurs. Moi, en tout cas, comme je l'ai dit, c'est salutaire, mais on doit faire très attention. Oui, il faut être vigilant. À eux, parce qu'ils ont décidé de nous aider. On les soutient dans ce sens. Mais, pour l'amour de Dieu, on les supplie que tous les Guinéens se réunissent en leur demandant d'organiser une transition apaisée, pas plus, pas moins. D'accord. Ben, je suis obligée de vous laisser parce que faut que je prie là. On va revenir sur ça. On reviendra dessus. Okay. Je ferai un truc spécial sur ça, Inch'Allah. Parce que c'était même pas prévu comme ça aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de problème. D'accord. Désolée. Ça me fera plaisir de revenir sur ça. D'accord, d'accord. On reviendra sur tout ça, Inch'Allah, ces jours-ci. Merci beaucoup. Merci, désolée. Ok, ben. Moi aussi, je vais aller prier. J'ai 10 minutes de retard. Merci à tout le monde. Les partages, les commentaires et tout. Ça, je ne sais pas si on appelle ça liberté. Moi, je ne suis pas l'émotion. C'est peut-être une petite route vers la liberté. Pourquoi pas? Pour l'instant, nous sommes obligés de les soutenir. Nous sommes obligés de faire avec. Parce que je pense qu'ils ont, même si, que ce soit un coup monté ou quoi que ce soit, on verra. Il est trop tôt. Il ne faut pas se jeter sur les trucs comme ça. On verra progressivement comment les choses vont se passer. On va leur laisser quelques jours, un peu de temps. Bon, parce qu'eux aussi, ils avaient leurs problèmes. Vous savez que Doumbouya avait ses problèmes. Il a sauvé sa tête aussi. C'est tout un ensemble de choses qu'il faut voir. Mais c'est une petite ouverture. C'est une petite ouverture dont tout le monde doit profiter de cette ouverture-là. Nous devons commencer à nous préparer. Nous allons continuer à nous battre tout en les observant. Voilà, s'il faut les taper dessus, on les tapera dessus. Et progressivement, nous allons voir comment les choses vont avancer. Parce qu'il ne faut pas oublier... Il ne faut pas perdre de vue que c'est une fabrication quand même d'Alpha Condé, quoi qu'il en soit, parce que c'est ça la vérité. Et être réaliste en même temps, avoir la tête sur les épaules, être vigilant et leur accorder un petit bénéfice du doute. Voilà, il faut accorder le bénéfice du doute, parce que là, n'importe qui serait content que ce soit fasse ce rôle-là. Voilà, c'est comme ça, parce que les gens... c'est toujours le même scénario en Guinée, comme le monsieur vient de dire, mais la différence est que cette fois-ci, ce n'est pas un coup d'État contre un mort. Il est presque mort, mais il n'est pas mort. Donc, peut-être que c'est un arrangement. Dieu seul le sait, Allah seul le sait, et on finira par le savoir. Pour l'instant, ce n'est pas ça le sujet. Al-Ramus Nguinée, Pirin Kantari, Retangari, Sutura, Arasun Nguinée, Kantari, Retangari, Sutura, Rantanfon Nguinée, Yama, Ravictoire, Fisun Nguinée, Ma. L'islam va triompher, c'est l'islam qui va sauver l'humanité, c'est écrit. Si vous croyez au Coran, il faut croire que l'islam sauvera l'humanité, mais ça ne sera pas dans les mosquées, hein. Non, ça sera en politique. Donc, je pense que vous devez commencer à penser à cela, et peut-être ça c'est une petite ouverture, c'est pas Doumbouya qui va nous amener sur le chemin de Dieu, ça c'est clair, mais c'est une petite ouverture. Vous savez, quand on est enfermé et qu'on nous ouvre la fenêtre, on peut passer par la fenêtre, ou ouvrir la porte de l'extérieur, ou en tout cas chercher de l'aide, trouver de l'aide. Donc peut-être que Doumbouya est une petite fenêtre pour nous, une fenêtre de sortie. Fenêtre de sortie, ce n'est pas porte de sortie. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça pour l'instant. Nous allons tous réfléchir. On refera d'autres directs pour prendre plus de temps, pour que chacun donne ses idées beaucoup plus longtemps. Là, j'ai un peu la pression parce que je prie. Donc à bientôt. Inch'Allah, si Allah le veut, peut-être... Demain, je ne crois pas, mais je verrai parce que c'est le temps, quoi. On verra tout ensemble ce qui a lieu de faire. Merci, merci, merci. Bon courage à tous. N'oubliez pas les doigts ou les jeûnes de lundi et de jeudi. Moi, je n'ai pas jeûné aujourd'hui. Donc, il faut continuer les invocations, les prières de nuit, surtout les femmes. Revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala, arrêter les produits éclaircissants, les faux cheveux. Tous ces faux accessoires qui vous rendent de force, ce n'est pas vous. C'est comme si vous n'étiez pas content de ce que Allah vous a donné. Après, si vous n'êtes pas content de ce qu'il vous a donné, vous vous couvrez comme je fais, comme ça on ne voit pas. Si votre nez est épaté, vous n'aimez pas votre nez, vous mettez le voile intégral. Comme ça, personne ne sait que votre nez est épaté. Vous voyez, l'islam a amené toutes les solutions, mais on ne veut pas comprendre, on ne veut pas croire. Tandis que Allah, il aime beaucoup, beaucoup les femmes. Si on se rapproche de nous,
il nous rend beaucoup plus fortes. Et voilà, donc moi, je suis passée par là, c'est ce que je vais vous proposer, c'est ce que je vais vous dire. C'est pourquoi peut-être je suis constante, je suis persévérante, je suis patiente. Voilà, tout ça, ce sont les vertus qu'un bon musulman doit avoir. Pouvoir avoir un mode de vie, un style de vie et un état d'esprit islamique. Inch'Allah, à bientôt. Allah Oumbaï Sintani, tu es parce que Mouger Badi Iradi. Allah a la Guinée récupérée, Tanang Bela Guinée, Tanang Dunen na Kouissé, Danang la Guinée na Kouissé, Danang la Guinée da Mara Fanyima, Asse Fanyi Birinsana, Aouantan Fanda, un peuple qui a un physique très très agréable. Je pense qu'il ne peut pas nous donner un physique aussi agréable, un pays aussi beau, et que nous soyons dans la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis que la Guinée. Il y a un problème quelque part. Donc chacun doit se poser la question, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé?